Eh bien, salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi, ça va très très bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de notre incroyable aventure sur Ratchet & Clank Rift Apart. Et je sais que vous l'avez énormément attendu, mais c'est comme ça, il y a eu beaucoup de boulot, ça y est. J'ai ouvert ma boutique, évidemment, toujours disponible dans le 45 à Montargis. N'hésitez pas à passer si vous passez pas très loin de la région, ou voire même dans la région. Et en plus de cela, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a des petits sub-goals, donation goals qui ont été mis en place sur mes lives tous les soirs sur Twitch à partir de 19h. D'ailleurs, venez ce soir, il y a une grosse conférence PlayStation sur l'avenir, évidemment, des jeux PlayStation 5. Donc, ça risque d'être incroyable, on va suivre ça tous ensemble. Et qui dit sub-goal dit objectif, évidemment. Il y a de très beaux objectifs qui arrivent, comme un let's play d'Alien Isolation en live. Ça risque d'être terrible, on va frissonner tous ensemble, évidemment. Ainsi que le let's play de The Last of Us, premier du nom, remastered en 4K, 60 FPS. Bref, ça va juste être fou. Allez, on est parti, on arrête de parler. Évidemment, venez sur mon Discord, discord.gg/mrbboy45. Il y aura toutes les étapes qui arrivent. Et quel bonheur, les amis, quel bonheur. C'est incroyable tout ce qui se passe en ce moment. Beaucoup de projets, beaucoup de plaisir. J'ai réellement hâte, évidemment, de partager tout cela avec vous à travers une vidéo setup de la boutique et aussi continuer les vidéos setup de ma maison. Allez, on est parti. Cette fois-ci, on se reconcentre sur le jeu. On va arracher tout ça. Bougez pas, on va même faire tout ça. Oh, quoi? Je sais pas comment il a fait. Voilà, ça c'est que des points faibles visés, mon pirate. Hein. On est parti, je crois que je m'étais fait casser la gueule ici, tout ça. Hop, ça c'est fait, c'est annulé. Point faible direct, visé. Quoi? Quoi? Alors qu'est-ce que c'est que ça là? Waouh, 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 faut mourir, monsieur. Hein. Hop. Ça, on va lui broyer. Voilà, on va lui broyer la gueule à celui-ci. Hop, on va passer ici un petit switch. Waouh! Ok. Ok, ok. Alors attendez, il se passe quoi là? Non, non, t'abuses, t'abuses. Et c'est moi aussi, on abuse tous ici. Oh, c'est quoi ces conneries? What? J'ai pas. Ah d'accord, putain, je l'avais pas vu. Jaune sur jaune, j'avais rien vu du tout, c'est terrible. Voilà, ça c'est fait. Et ensuite, qu'est-ce que je fais? Hop, on va aller là. Ah, ça c'est des potes. Et ça c'est problématique si je commence à arracher mes potes. Ok, on continue. On va essayer de découper tout cela. En tout cas, Ratchet & Clank, même si malheureusement vous n'avez pas eu tous les épisodes comme je voulais une fois tous les deux jours au minimum, bon, ça a été quand même une expérience assez incroyable et j'espère que ça vous a fait plaisir de suivre cette aventure en 4K 60 FPS à mes côtés. Moi en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir, ce jeu est incroyable, vraiment. On pourra peut-être les ralentir. Regagnez vos cellules immédiatement. Ok, bougez pas. C'est banni de la salle de musculation pendant les 10 prochains cycles. C'est un boss, hein. On va s'en occuper très très vite, ça va se finir. Oh, mais je suis con. C'est ma faute. Oh, ils sont tous morts de ma faute, c'est terrible. Quoi? C'est tout? Non, ils déconnent là. Ils ont déconné là, c'est tout! C'est pas trop tôt! On va vous faire sortir de là. Il y a forcément un moyen d'arrêter votre cellule. Il y a forcément. Pas question que je vous laisse échapper au glorieux châtiment de l'empereur! Un bon glorieux châtiment! Bon, mais comment on va sortir de ce truc? J'ai déjà tout essayé! Si, t'aurais pas une idée? Réveille-toi, Kit, dis quelque chose! Je ne sais pas. Vraiment? Parce que. Rivette! Allez, et me c'est pas le moment de s'embrouiller, les amis, là-dedans, hein.
Oh non, la salle est en train de se remplir de gaz. Respire plus. Jet, vite, allons-nous-en d'ici. Appuie sur ces boutons pour ouvrir la porte. Quoi? Mais wesh! On vient de me... What? C'est normal que c'est à la fin du jeu que j'apprends ça ou quoi? C'est quoi ces conneries là? Mais attends, on peut jeter notre marteau. Attends, rassurez-moi, on ne pouvait pas faire ça au début du jeu là. On vient juste de débloquer le truc. J'ai besoin d'être rassuré là parce que je me sens vraiment mal. C'est moi qui croyais que tu étais mon ami, mais en fait, c'est rien qu'une vilaine menteuse. Il semblerait qu'elle éprouve des regrets. Allez, continue comme ça. Ouais, c'est ça. Ok, Rivette, elle est en train de dérailler ou quoi? Calme-toi, cousine là, il se passe quoi? Elle est bien folle. Bah alors? On va tous mourir. Accroche-toi à cette faille. Ok, nickel. J'espère que ça vous a plu. Je ne pouvais pas. C'est bien de me dire de m'accrocher, mais faut-il encore que ça devienne jaune pour que j'y puisse? C'est compliqué, ces conneries-là. J'en viens pour... Oh là, je suis comme Rivette. Ah non, c'est le gaz. Bah oui. Ça doit être un gaz hilarant. Très bien. Il semblerait qu'elle éprouve des regrets. Allez, continue comme ça. Ok. Ouais, c'est ça. On va essayer de pas se foirer. C'est maintenant. Non, c'était pas maintenant. C'est maintenant. Accroche-toi à cette faille. Et ben voilà. Ok, on est reparti. Ça risque de swinguer pas mal, à mon avis. Générateur de secours, je fais quoi? La cellule, elle est allée dehors. Là, okay. Nous devons nous accrocher à cette plateforme d'évacuation sans perdre une minute. J'arrive, let's go! Ah là là, attendez, attendez. Super! Maintenant, ils envoient carrément des navettes. Ok. Là, je vais avoir besoin de concentration. On approche de la fin du jeu. N'oubliez pas que c'est quand même assez tendu. On est en difficulté un petit peu plus costaud. Le fléau, c'est fait. Ça aussi. Mais attends, mais quoi? Ils disparaissent dans un bordel, là. C'est quoi, ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Alors? Ok. Je sais pas pourquoi ça fait ça. J'ai aucune putain d'idée de pourquoi ça fait. Ça a pas l'air de me faire de mal, mais. C'est peut-être une nouvelle fonctionnalité, je sais pas. Je pense que c'est en fait un petit ajout de mon fléau cosmique. J'ai pas dû beaucoup l'utiliser depuis qu'on l'a amélioré. Ok, bah c'est très bien ça. On est où maintenant? On va aller là. Hop, pour avoir vu quelque chose là-haut. D'accord, le point faible il est au-dessus. On a quoi d'autre? On a plus rien. Ça c'est le point faible. C'est terminé. Ok. Pas mal. Bientôt niveau supérieur pour le sniper. Beaucoup trop. Ok. Attendez, bougez pas. Ça c'est très bon. Ça c'est très bon. Je comprends pas. Ah, petit coquelicot. Ah effectivement, d'accord, c'est quand je zoome que ça fait un ralenti. Très bien. Ok, ça en prend. Putain, mais c'est pas vrai. Bien.
hop, un petit no-scope en jump. Et ça, c'est beau. C'est pas vrai. Résistant, hein. Ok, quoi d'autre? Je crois que c'est terminé cette fois. C'est bon? Non, pas tout à fait. Non, tu déconnes. Tu déconnes, vous déconnez les gars. Ok. Ok, 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 allez, on envoie tout. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Allez, on se voit, c'est chaud. C'est lui le boss dans l'histoire. Normalement, on devrait l'arracher assez vite en fait. Oh la vache, les dégâts que je... Quoi? Alors ça, c'est pas cool. Ça, c'est pas cool. On est bon. Regardez ce qui va se passer. Hop, ils vont m'aider pour les petits trucs à faire de merde là. Ok, il est là celui-ci. Alors, qu'est-ce qu'on a? On va prendre un peu de ça, tiens. Attendez, parce que en vrai, je me fais sa batte. C'est pas vrai, ils disent beaucoup trop bien. Oh mec. Attendez, j'ai peut-être trouvé une petite astuce. En fait, je l'envoie, je me cache derrière. Ok. Ok, ok. Et on va prendre les lames ravageuses. C'est pas un problème, ça. Putain, c'est un boss strong, celui-ci, hein. Si je faisais pas gaffe, j'étais mort, hein. Si j'étais pas une machine, j'étais mort. Le levier pour ramener la cellule vers nous. Dépêche-toi. Ok, le levier est ici. Allez, on y va. Ok. C'est bien, mes petits robots qui font une armée. Très bon, ça. Vous avez appelé la cavalerie? Merci d'être venu. Kit, est-ce que... Laissez-nous seuls. On se retrouve au vaisseau. Clank m'a dit que je devrais essayer de te pardonner. Et... Je vais retourner sur Savali. Je n'aurais pas dû... Quoi? Tu retournes te cacher? Maintenant? Je suis vraiment... sincèrement désolée, Rivette. Pour tout. Je ne suis pas une bonne partenaire. Mais tu pourrais le devenir. Si tu t'étais arrêtée pour m'aider cette nuit-là, au lieu de t'enfuir, tout aurait été différent. Ou si t'avais juste dit la vérité. Peut-être que... Pourquoi personne ne veut comprendre? Je suis défaillante. Je serai toujours défaillante. D'accord. Va te cacher. Nous, on va sauver l'univers. Les univers, enfin bref. Je peux faire ça sans partenaire. Attends. Où es-tu? Elle ne vient pas. Mais... La grande évasion, trophée obtenu. Oh, ça sent la reine encore. Putain, ça s'arrête jamais. Kit aurait dû venir. Elle en avait pas envie. C'est parce qu'elle pense qu'elle est dangereuse. Mais peut-être parce qu'elle l'est. Alors, tu comptes l'abandonner comme ça, parce que tu as peur. Tu me dis ça alors que t'as même pas le courage de chercher les autres Lombax. J'ai des raisons d'avoir peur, moi. Désolée, je... Désolée.
Quel soulagement! On était si inquiets! Il en faut plus pour nous arrêter. Eh, vous en avez mis du temps! Écoutez, je pense savoir comment trouver l'Empereur. Quand vous serez prêt à aller l'affronter, revenez me voir! Ah, d'accord, on est donc proche de la fin, très bien. Bon, on va pas aller le voir tout de suite, on va aller quand même améliorer nos armes, et on va faire un petit peu d'arène. Mais ça y est, je pense que le prochain épisode risque d'être le dernier à mon avis. Je pense, hein, mais là, ça serait dommage de se lancer dedans. Oh non, j'ai quasi... Oh, terrible, le fléau, on en est où? Bougez pas. Augmente la cadence de tir encore. Et au diable l'avarice, vous savez ce qu'on dit. Au diable l'avarice. Donc c'est parti, on va faire un petit peu d'arène et on va s'arrêter là. Et vous savez quoi, je vais essayer d'enregistrer le 23e épisode pour que vous ayez la fin. Ce week-end, vous avez assez attendu, je suis fort désolé. Mais je pense que vous pouvez comprendre, hein. On n'ouvre pas une boutique en claquant des doigts malheureusement. Vous serez me pardonné, j'ai confiance. Et puis... bientôt de nouveaux let's play qui arrivent, Alien en live, Kena hein, sur YouTube en 4K60, ça va être incroyable. Survivre au mutilateur ressuscité. Allez, on est parti, on a beaucoup de boulons à gagner. Let's go. Ok. Là, je tire dessus là déjà ou non? Je sais pas ce que je fais. Ah non, faut juste tenir, c'est ça. J'ai pas tout saisi là. J'ai pas saisi l'opportunité de. Okay. Très bien. Vague interminée. D'accord, faut juste tenir. Très bien. Non, mais robot. Très très bien. Ok. Ça devrait pas être un très gros problème. On est pas mal. Je sais pas comment j'ai réussi par miracle à l'esquiver. En fait, il faut jouer avec le son, c'est très important. Quand on entend le fameux atterrissage, voilà, c'est ça là, ça veut dire que c'est une vague qui arrive. Oh non! Allez, allez! Arrachez-moi ça! Ok! Faut toujours le garder à l'œil! Vague 3 terminée, ça va être de plus en plus dur et j'ai plus de grand ravageur, ça c'est un peu dommage. Je pense qu'on va mourir. Je pense qu'on va mourir. Le temps de comprendre exactement les tenants et aboutissants. Ouais, je voyais pas comment survivre à ça. Ok, on avait terminé la vague 4. C'est pas mal, c'est pas mal. J'ai compris un petit peu. J'ai saisi un petit peu mieux le fond de l'affaire, comme on dit dans le milieu. J'ai pris beaucoup de domaines sur les trois premières vagues parce que je comprenais pas bien le truc. Maintenant c'est bon, j'ai son pattern, ça devrait le faire si tout va bien. On est parti. Je crois que j'ai même pris carrément le premier coup. En fait, c'était plein d'air. Hop, voilà. On est bon. Ça, on est bon. Qu'est-ce qu'on va faire? Niveau supplémentaire qui plus est. Incroyable. Et ben voilà, plus 10. Niveau 9, plus 10. Qu'est-ce que c'est le plus 10? Je sais pas du tout ce que ça mène. Ah, du raritarium peut-être, non? Je ne sais pas. Ça, on s'en occupe sans aucun problème, hein, vous l'aurez compris. Ça va être très, 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 très rapide. Allez, vague 2! Dépêchez-vous là, amenez-moi les méchants. Hop! Dès qu'il fait un aller, souvent, il envoie une petite vague.
au sol, aucun souci. Ça, c'est maîtrisé du début à la fin. Aucun problème. Ça, c'est fait. Alors, on a quoi d'autre? Ça, ça peut être pas mal. Ça, c'est fait. Hop, ça c'est fait. Ça c'est fait. 23, on en était à là. Donc, attendez, je vais voir une esquive à faire. Vous voyez, on s'est même pas fait toucher une fois. Une fois qu'on a le pattern, c'est bon, hein, c'est pas. Ah ouais, c'est déterreur. Ok, ok, ok. Eux, c'est vraiment des terreurs. Terrible. Terrible. Quoi? Terrible. 24 terminé. Je pense que j'ai peut-être parlé un peu trop vite. Ok. Wouh. Let's go. On a eu très très chaud, mais c'est fait, c'est le principal. Allez. Bon, je rappelle qu'on est en mode difficile de l'arène en mode difficile. Donc ça va faire beaucoup de boulons tout ça, toujours plus haut évidemment. Qu'est-ce que c'est? On a un petit robot, battre les Vroom Goons, ok. Combattre avec des armes aléatoires, lol, c'est top. Ok. Je sais pas ce que je vais combattre, mais des armes aléatoires, j'ai aucune putain d'idée. On va voir. Oh non. Oh non. Qu'est-ce que je suis censé faire avec ça? Ok, donc on va avoir un petit... Ah ouais, d'accord, je vais... En fait, ok, je vais devoir faire des éliminations, on va passer à toutes les armes. Ça va être terrible. Donc là, c'est mes grenades de merde, elles sont même pas améliorées, mais au moins... Ok, on les fait dès le début. Très bien. Très très bien. Ok, c'est un peu en mode call off là. Avec, vous savez, quand vous avez fini une élimination, ça change d'arme dans vos mains. Pas mal. Ok. Ah, mais le problème, c'est que mes petits robots sont beaucoup trop chauds. Beaucoup trop chauds. Incroyable ricochet. Ah, vous voyez, ça paye hein, d'améliorer toutes ces armes hein, au fur et à mesure du jeu. Hein. Le travail paye! La vache, je l'avais oublié mon pompe. Oh, je l'avais oublié ce pompe. Oh, ce pompe des familles. Ok, ça c'était ma toute première arme. Je sais pas, il y en a combien. Putain, elle tue pas? Je rigole pas, elle tue pas les gars hein. Putain. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cette arme là? Qu'est-ce que c'est que cette arme les gars? Qu'est-ce que c'est? Un coup de chance. Je vais mourir. Ça n'a aucun sens cette arme de merde. Mais c'est nul, c'est de la merde.
C'est quoi cette arme de salope, les gars? Mais comment je... Je peux pas tuer! Ça n'a aucun sens! Excusez-moi! Oh là 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 là! Qu'est-ce que vous voulez faire avec... C'est ridicule! Ok, bon allez. On se concentre. Là, j'ai le choix de mon arme ou pas? Sniper seulement? Oh damn! Oh damn! Ok. J'ai quand même de quoi m'abriter, c'est pas mal. C'est pas vrai, hein. Ok, pas de soucis. Terrible, terrible, terrible. Heureusement, le ralenti, ça sauve un peu les miches. Ok, que des points faibles ici, mon ref. Hein. Là, tu peux pas aller sur mon terrain, là, hein, frérot. Hein. Que des points faibles, te dis-je. Ça devrait pas être trop dur, je pense que c'est bientôt terminado. Je pense que c'est bientôt terminado. On est bon. Oh la vache. On est bon. Allez, easy, aucun problème. À part les champignons de mort là. Je pense que je vais devoir faire quelques petites quêtes annexes là parce que c'est pas possible. Le truc qui fait des champignons, c'est une putain de honte là. Arme aléatoire de mort. Toujours pas compris comment tuer un putain de. une putain de vague avec ça. Battre les Vroomgoons à basse gravité. Ok, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'on est très très lourd et que donc je ne peux pas sauter, c'est ça? Ah non, ok, d'accord. Très bien. Heureusement que la caméra s'adapte. Ok, alors... Pas de soucis. N'oubliez pas. Ah ouais, c'est terrible. Ok, c'est bon. Vague 1, il y a combien de vagues là? Je sais pas, il y a combien de vagues et ça me fait un petit peu peur. Ok. Ok. Mort. Je sais pas combien il y a. J'espère qu'il y a que 3 vagues hein, parce que ça m'a l'air tendu quand même. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais. L'air tendu de ouf cette petite connerie là. Ok. J'ai des mines de l'autre côté. Bon. J'espère qu'il y a vraiment que 3 vagues. Pas l'air évident hein, cette petite dingue là. Hein. Ouais. Allez, les petites flammes ravageuses. Ok, gang de l'apocalypse. Donc ils sont niveau max, mes petits robots. Très bon ça.
Ça va parce que basse gravité, ça reste au ralenti en vrai. C'est limite. Ah ouais, mais c'est vrai que mes armes elles sont quasi toutes améliorées aussi, ça faut pas l'oublier. Ok, on a un problème, je viens de me faire ravager la gueule. Bah voilà, aucun souci en vrai, c'était ok. Je suis juste embêté par ce truc, ce gant là qui fait rien du tout là. Robot espion 7 sur 10, c'est pas mal. On a très bien avancé dans le jeu, on va pouvoir s'arrêter là. Il y a juste ça qui m'embête là, ce truc aléatoire, c'est flingué. On verra ça un petit peu plus tard, il faut que j'améliore mes armes, dont l'arme champignon. J'ai même pas compris le concept de cette arme de merde. Bref. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de j'aimer le commentaire, on se retrouve ce week-end, normalement, pour la fin du jeu. Encore une fois, merci à vous d'être toujours présents, ça fait extrêmement plaisir. Et portez-vous bien, j'espère que vous avez passé une bonne rentrée. À plus tout le monde, ciao ciao.